Meghan Markle n'a pas appris une leçon vitale sur la vie en tant que membre de la famille royale de feu. La princesse Diana, a déclaré un expert royal, la regrettée Diana, princesse de Galles, a rejoint la famille royale britannique en juillet 1981. Pendant son séjour au sein de la famille royale, elle est devenue un membre actif de l'institution royale. Diana a quitté la famille royale en 1996 lorsqu'elle et le prince Charles ont demandé le divorce, mais contrairement à Meghan Markle, elle a quitté l'institution en raison de l'échec de son mariage. L'experte royale Tina Brown a qualifié Diana des agents de changement de l'intérieur et a exposé cela comme une leçon que Meghan n'a pas apprise de sa défunte belle-mère. S'adressant à Lorraine, Madame Brown a déclaré, pendant 16-17 ans, Diana a travaillé comme un chien au sein de la famille royale. Elle a noté que feu la princesse a fait beaucoup de missions très banales, essentiellement au cours de sa vie royale. Elle a ajouté, c'est son incroyable charisme qu'elle a apporté à ce travail qui l'a rendu si extraordinairement spécial. Diana a toujours été un agent de changement de l'intérieur, l'auteur royal, dont le livre The Palace Papers est maintenant disponible, a déclaré, elle n'a pas quitté la famille royale parce qu'elle a dit que je suis sortie, elle a divorcé. Son mari, le prince Charles, n'était pas amoureux d'elle, c'était le problème majeur pour Diana. Madame Brown a poursuivi, c'était le genre d'agonie pour elle. Elle en a fait la meilleure chose qu'elle pouvait, le divorce. Elle a pris cette souffrance et l'a transformée en son travail remarquable qu'elle a fait, qui était vraiment réel et important. Elle a conclu que la vie post-royale, Diana est devenue beaucoup plus globale. Madame Brown a déclaré que ce n'était pas seulement parce qu'elle voulait être, mais parce qu'elle ne pouvait pas vraiment être autre chose que cela, car elle ne faisait plus partie de la famille royale. Meghan et Diana sont toutes deux entrées dans la vie royale en tant que non-royales.